Eh bien, salut à tous. Retour sur l'étape 3. Elvin, mal étroit, arrive à bon port. Journée pas si facile que ça. Grosse chaleur. Donc, les 4-5 derniers kilomètres, ils ont été un peu rudes. Les épaules ont un peu trinqué. Les pieds aussi, mais bon, il a fait chaud. Il a fait, en tout cas, j'ai vraiment eu chaud. Avec un petit peu comme hier, un parcours avec pas mal de côtes. Mais bon, je vais en trouver sur la route, forcément. Mais en tout cas, bien arrivé. Ce soir, ça va être repos. Ce soir, c'est au camping. Donc, petite tente très sympa. Donc du coup bah là ça va être ouais ça va être repos, petite douche, ça va être réparer les bobos parce que je j'ai pas enlevé les baskets. Mais je crois qu'il y a quelques cloques. Mais bon, voilà, c'est comme ça. Et puis sinon, quoi d'autre sur le périple? Pas grand chose. Pas grand chose. C'est des jolis paysages par contre. J'ai pris une ou deux photos. Sympa. Si j'étais embêté avec mon chargeur solaire qui n'arrivait plus à connecter. Donc du coup, heureusement, il y avait un autre chargeur. Donc ça, c'était cool. Donc ça m'a un petit peu handicapé. J'ai dû faire deux pauses. Deux pauses pour vraiment voir ce qui n'allait pas. Bon, je vais regarder, je vais essayer de bien le charger ce soir, on verra bien ce qui va se passer. Mais au pire, voilà, il y en a un de rechange, donc voilà, c'est plus important. Voilà, donc là ce soir, camping à Malétroit, et puis préparation de l'étape demain, Malétroit, Guerre, et on se rapproche un petit peu plus de Rennes. Hein, la grosse ville étape quand même, une ville importante. Donc on va voir. Mais assez content quand même. Au bout de 3 jours, ça se passe plutôt bien. Voilà, il n'y a pas de blessure, il n'y a pas d'énormes gros bobos quand même. C'est juste les pieds, c'est juste les épaules avec le poids du sac. Mais voilà, je vais faire ce qu'il faut pour réparer tout ça et être prêt. Pour demain. Voilà. Sur ce, je vous souhaite une belle soirée et à demain pour l'étape du jour. Allez, je vous embrasse. Ciao.